Et yo les gens, c'est Diabolofit35, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ne Jamais Faire Spawn à 3h du matin. Et en gros, là c'est pas vraiment Ne Jamais Faire Spawn à 3h du matin, parce que c'est juste ne pas réveiller mon fils à 3h du matin. Donc voilà, en gros mon fils c'est un bébé. Et du coup bah c'est vraiment terrible de réveiller un bébé en pleine nuit. Ce qui fait qu'à mon avis ça va être vraiment vraiment vénère dans cet épisode. Si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus de ça, tu feras partie de la team zombie c'est qui? C'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, du coup abonne-toi si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi lâcher ton plus gros pouce bleu si tu veux revoir mon fils dans des épisodes. Et bien, enfin mon fils bien évidemment à l'intérieur de Minecraft, mais si tu veux le revoir, tu peux mettre un maximum de pouces bleus, et à 1000 pouces bleus sur cet épisode, je me ferai un plaisir de refaire un épisode avec lui. Du coup c'est parti les gars, let's go, je vais tout de suite me mettre en game mode survival histoire que ce soit beaucoup plus marrant. Donc c'est bon, je suis en game mode survival, let's go. Alors mon fils en fait il est en train de dormir à cet étage là, donc voilà. On va tout de suite aller le voir. Hop, regardez, je monte les escaliers. Hop, hop, hop. Et donc, il est dans cette chambre-là. Attention, 3, 2, 1. Vous voyez qu'il est couché, là. Je vais le réveiller. Ah, c'est bon. Wow, wow. Non, non, non. Eh, c'est ma maison, ça. Non, 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 non. Aïe. Non, 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 il va me buter, il va me buter. What? Il est en train de mettre le feu à ma maison, les gars. What? Oh, non. Oh, c'est chaud. Non, pas ma maison. Oh, regardez, on voit la fumée à l'intérieur et tout. Il est en train de tout faire cramer. Non, non, non. S'il te plaît, pas ma maison. Oh là là, c'est chaud, il est en train de faire cramer entièrement ma maison, les gars. Non, c'est terrible. Je m'attendais pas à ça, en fait. Il est en train de faire brûler ma maison entièrement. Attendez, c'est une TNT que j'ai entendu là. Wesh. Il est beaucoup trop vénère, en fait. Attendez, les gars. Wow, what the fuck. Il est en train de tout faire cramer avec de la TNT et tout. Aïe, il est en train de me poursuivre. Bon, vite, 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 faut qu'on court et qu'on trouve une solution de repli, parce que là, ça va pas du tout. Ah ouais. Ok, c'est une course poursuite qui commence à s'enclencher avec mon fils. Alors, c'est encore qu'un bébé, hein, mais vous voyez la vitesse à laquelle il court. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des petits frères ou des petites soeurs qui sont tout bébés, ou si vous allez en avoir un, peut-être bientôt. Enfin, genre, en avoir un, genre, vos parents vont en avoir un, vous allez avoir un petit frère, tu vois. Vous me dites en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ça. Du coup, voilà, let's go, on continue. Donc là, ok, donc là il me poursuit, c'est vraiment un ouf. Bon, va falloir qu'on trouve une solution. Normalement il est plus lent que moi quand même, je cours assez rapidement, je suis pas aussi lent que lui. Donc voilà, on va essayer de traverser la route. Normalement il va pas traverser la route puisque c'est un enfant, à moins qu'il soit absolument pas bien éduqué comme je l'ai fait. Ok, il s'en bat les steaks, il traverse la route. Bon les gars, faut absolument qu'on trouve une solution pour arrêter le bébé, parce que sinon bah là ça va être la mort assurée. Alors les gars, ma petite idée, c'est de faire, de réaliser un gâteau. Je pense que c'est vraiment la bonne solution. Si on fait un bon gâteau, là je crois que je l'ai semé les gars, du coup c'est bon. Je crois que si on fait un bon gâteau, il y a moyen qu'ils redeviennent gentils. Vraiment voilà, les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est les gâteaux, les bonbons, tout ça. Mais voilà, les bonbons c'est pas très bon. Bon, les gâteaux ça va. Donc là je pense que je vais faire un gâteau. Après les bonbons c'est très bon, mais en soi c'est pas très bon pour le corps et surtout pour les bébés. Du coup bah voilà, je vais faire un gâteau. Je pense qu'un gâteau ce sera vraiment le top. Ok, je vais traverser par là, ok. Ah mince, la flemme, j'ai même pas de bloc. Ok, je vais prendre ce bloc là. Donc voilà, j'ai traversé. Donc pour faire un gâteau, eh bien ça va être quand même pas mission très simple, puisqu'il va falloir trouver pas mal de trucs. Alors, pour faire un gâteau, il va falloir trouver des œufs. Il va falloir trouver du blé. Il va falloir trouver... alors, au-delà du blé et des œufs, qu'est-ce qu'il va falloir trouver d'autre? Il va falloir trouver du lait. Donc du lait, c'est pas compliqué, il suffit de faire des seaux de fer. Bon voilà, du fer, on va sans doute en trouver assez rapidement. Donc voilà, je suis rendu de ce côté là. Alors c'est la maison en face de la mienne. Bon ça va, elle a pas trop cramé parce qu'elle est faite de briques, etc. Du coup voilà, ma maison n'a pas trop cramé. Ici je sais qu'il y a un champ dans lequel on peut récolter du blé. Donc ça c'est parfait, regardez là ici il y a du blé. Attention à ne pas gâcher le blé. Donc voilà, hop, un blé, deux blés, trois blés. Voilà, j'ai assez de quoi faire du blé. C'est parfait pour le blé, on est plutôt OP. Ici j'ai des fours, donc voilà. Ce qu'on peut faire déjà c'est se faire une petite pioche et trouver du fer, voilà, c'est mission qui est pas très compliquée. Il suffit de trouver 3 seaux, enfin 9 de fer. Donc ça c'est pas une mission qui va être extrêmement compliquée. Voilà, on va descendre par ici et trouver du fer. Alors par contre on a totalement perdu le bébé, je sais absolument pas où il est passé. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Si on veut survivre, c'est plutôt une bonne nouvelle. What? Alors là par contre il y a du feu. Ok, il y a du feu jusqu'ici. Alors attendez, est-ce qu'il serait pas dans le coin là? Il est là! Ok, 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 on se barre! Ok, ok! Alors normalement on devrait le perdre dans cette forêt là. Hop, je vais me barrer, je vais le perdre dans la forêt. Voilà, hop, hop, hop. Ok, je sais pas s'il est encore derrière moi, j'ose pas me retourner. Ok, il est juste derrière, ok, c'est la flemme. Ok, là il y a une grosse grotte avec un command block, what the fuck. Il y a une grosse grotte, alors normalement dans la grotte il va pas rentrer, c'est obligé qu'il rentre pas. Il va avoir trop peur, normalement c'est quand même un bébé.
Ouais, c'est bon, il reste aux abords de la grotte. C'est parfait, les gars. Ok, là, ici, on a plein de fer. C'est nice pour nous. Ouais, je suis en train de faire péter la grotte. Ok, faut qu'on se dépêche. Alors, j'ai fait n'importe quoi. J'ai construit une houe à la place d'une pioche. Du coup, là, je vais tout de suite construire ma pioche en pierre. Alors, pourquoi pioche en pierre? C'est tout simplement pour récolter le fer. Voilà. On peut pas récolter du fer avec une pioche en bois. Et donc là c'est tout simple, il suffit de trouver 9 de fer. Donc là il y a l'embarras du choix parce qu'il y en a à peu près partout dans cette grotte. Et ça c'est vraiment cool. Alors faut prendre quand même un petit peu de charbon. Hop hop hop, on prend un peu de charbon. J'ai 2 de charbon, là on a encore du fer. Et ensuite c'est pas compliqué pour faire du lait. Vous allez voir c'est pas compliqué, il suffit de faire un clic droit avec un seau de fer sur une vache. Et ça vous donne automatiquement du lait. Ok, on a les 9 de fer, il suffit maintenant de le faire cuire. Alors je pense qu'on va les faire cuire en ville, dans les fours qu'on avait repérés tout à l'heure. Waouh, regardez la lune, ce qu'elle fait. C'est tellement pas normal, je pense qu'on n'aura jamais dû réveiller les gars. Mais c'est pas grave. Ok, alors. Ah, il y a eu des petits bugs dans le circuit à mon avis. What? Ok, là par contre il est en train de mettre absolument le feu en direct juste ici. Faut qu'on se fasse extrêmement discret. Là parce que là c'est lui qui est en train de poser le feu. Hein. Là c'est pas du feu qui est naturel. Il m'a pas vu, ok il m'a pas vu, ok les gars. Alors, on change de plan, on va pas le faire cuire en ville. On va faire cuire dans la grotte, je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Parce que sinon là c'est chaud. Ma pierre, voilà dans la grotte. Et voilà mon fer est actuellement en train de cuire. C'est parfait, c'est vraiment nice. Bon voilà, comme ça on a les 3 seaux. On a les 3 de blé. Maintenant on va falloir trouver des œufs. Alors pour trouver des œufs c'est pas compliqué, il faut être à peu près aux environs des poules. Et souvent elles pondent des œufs. Donc tiens on va jeter ce qui est inutile. Voilà, et on va regarder seulement ce qui est utile. What? Attendez, vous avez entendu, il y a des petites TNT là qui ont explosé. Je suis pas fou. C'est assez chaud. Ok, nice. On a actuellement les 9 de fer. Et me voici avec 3 seaux, c'est parfait. Donc on va remonter à la surface par le petit passage que j'ai fait tout à l'heure. Et on va chercher déjà nos 3 seaux de lait. Voilà, comme je l'ai dit, il suffit de trouver des vaches. Donc il y avait un petit peu l'embarras du choix. Alors par contre, il a vraiment fait... What? Non, il est... Mais purée, à chaque fois que je spawn à moitié, enfin genre que je reviens sur la ville, et ben il est directement là. Faut absolument qu'on change d'endroit parce que là sinon c'est chaud. Oh les gars, j'ai oublié un détail important, c'est qu'il faut seulement un œuf. Par contre le reste, en gros c'est de la canne à sucre qu'il faut, enfin c'est du sucre tout simplement. Et bah ça c'est pas compliqué, il suffit de trouver de la canne à sucre et normalement il y en a dans les marais. Donc voilà, après voilà, il suffit de trouver des vaches aussi et une poule qui a bien voulu pondre. Et ça c'est pas de la tarte. Donc là il y a des petites poules, on va voir un petit peu genre. Ok, elle a pas pondu, elle. Wesh, le bébé il m'a poursuivi de ouf. Il est trop flippant. Il est trop flippant. Alors là normalement il y a de la canne à sucre. Ah ouais, là-bas il y a de la canne à sucre, c'est bon. La canne à sucre c'est pas compliqué à trouver, franchement on en trouve assez rapidement dans les marais. Maintenant voilà, faut trouver des vaches et bien évidemment une poule qui va pondre. Et ça je sens que ça va être le truc le plus compliqué. Voilà, c'est bon, j'ai assez de sucre, voilà, je me suis fait un petit peu de sucre, tranquillement, voilà. Alors le bébé me suit, mais m'attaque pas forcément. What, c'est quoi cet énorme tour là? Ah, ça doit être le bébé qui a dû faire ça. Ok, 1, 2, 3, c'est bon, on a trouvé 3 seaux de lait, j'ai trouvé la vache, c'était parfait. Hop, maintenant il suffit plus que d'un œuf, donc voilà, il faut trouver des poules qui ont bien pondu. Alors tout à l'heure il y avait une poule ici. Ok, là on va rester un peu dans les environs, attendre qu'elle ponde. Ah voilà, c'est bon, j'ai des graines, regardez si je leur file. Regardez, ça c'est comme ça elles me suivent. Voilà, comme ça je vais faire suer toutes les poules là avec les graines. Je suis mort. Et peut-être qu'il y en a qui vont pondre. Ok, c'est bon, elles sont en train de monter. Y a pas d'autres poules là. Comme ça au moins tu vois, elles me suivent. Et genre si je cherche d'autres poules, et ben elles vont quand même me suivre. Et genre je peux les surveiller au cas où. Bon, ça pond ou quoi les poules? Alors là par contre si je mets du blé dans mes mains, genre t'as même le mouton qui vient quoi. Bon les petites poules, moi j'attends juste qu'un de vos œufs tombe et puis une fois qu'il y aura un œuf, bah. Eh bien je pourrais faire mon gâteau. Bon clairement elles ont décidé de faire leur vie les poules hein. Elles sont en train de m'ignorer total. Ouais. On attend quand même un œuf. A few moments later. Oh, il y a un œuf. Ok, lourd. Oh, ok, bah plus qu'à trouver une table de craft. Alors les gars, pour faire ce gâteau, il suffit de mettre un sucre, un œuf, 3 de lait, voilà comme ça. Et 3, voilà, de blé. Donc voilà. Donc voilà, on a notre petit gâteau. Il suffit maintenant de retrouver le bébé. Alors je sais pas où il est, enfin en tout cas mon fils je sais pas où il est. Donc voilà, il suffit de le retrouver et de lui donner le gâteau. Et on sera enfin fixé. Toujours pas de bébé à l'horizon. J'aimerais bien le voir. Allez mon fils, il est où? Ah il est là. What? What, mais il fait quoi? Oh le... Oh
Oh, il est en train de brûler plein de poules, c'est un malade. Hé, je suis là, je suis là, mon fils. Regarde, attends, j'ai un truc pour toi. Attends, mince, je suis tombé dans le bassin. J'ai un truc pour toi, regarde, t'es prêt? Voilà, c'est bon, regarde, ce magnifique gâteau. Il est pas beau? Alors, est-ce qu'il va revenir gentil? Alors, what? Qu'est-ce qu'il fait? Mais what? Non! 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 Ok, il est ultra vénère, les gars. Bon, bah voilà, les gars, je crois qu'on a terminé cet épisode. Baby, enfin, baby, pourquoi je l'appelle baby? Bébé, enfin, le bébé, mon fils, est beaucoup trop énervé. Il fallait tellement pas réveiller ce bébé en pleine nuit à 3h du matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'a pas été déjà fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vais essayer de fuir le bébé et je vous dis au revoir. J'ai le bateau, les gars, je vous aime. J'ai bégayé en cette fin d'intro, en cette fin d'outro. Bref, c'est n'importe quoi. Allez, bye tout le monde, les potos, je vous aime.